Ah. Oh mon Dieu! Maman, est-ce que tu vas bien? Je crois que j'ai oublié ma carte de crédit. Maman! Que veux-tu que je fasse? Oh, je pensais l'avoir. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Bonjour, tonton. Bonjour, petite. Comment tu vas? Je vais bien. Samantha, voici la dernière fois que je t'avertis. On dirait bien que vous avez un problème à ce que je vois. On dirait bien que vous avez un problème à ce que je vois. Oui, tonton. Maman a oublié sa carte. Samantha! C'est bon. Je vais régler tout ça, d'accord? Je n'ai pas besoin de votre aide. Allez, voyons, madame, ça ne sert à rien. Combien est-ce que tout ça coûte? C'est 5 000, monsieur. Allez, retirez l'aide, ma carte. Merci. Il n'y a pas de quoi. Pouvons-nous au moins devenir amis? Attendez, c'est pour ça que vous avez payé pour nous? Mm-mm. Oui, c'est bon. Tenez. À cause de votre gentil geste, je vais vous donner ma carte. Voilà. Je vous remercie infiniment. Maître Ben, eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Depuis toutes ces années, tu ne m'as pas du tout déçu. Et tu n'as jamais abandonné. Tu n'as pas cessé de croire qu'un jour, mes hommes et moi serons dehors. Et enfin, tu l'as fait. Pas de quoi. Je te dois beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. J'ai fait ce que je devais faire pour te faire sortir de là tes hommes et toi. Ces 8 années étaient tout un voyage. Ah oui. Content de te revoir. Ravi de te revoir également, et ça fait du bien d'être à la maison. Hein? Oh. Ah oui, fais-le voir un peu ce que ça contient. Maître Ben, wow. Ceci est pour toi. Ça, c'est pour toi. Eh bien, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Tu le mérites amplement. Merci à beaucoup. Toi. Et j'apprécie. Et j'apprécie vraiment. Eh bien, sache-le, Ben. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, eh bien, fais-le-moi savoir. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie. D'accord. Merci. Et merci beaucoup. Merci pour tout. Oh, d'accord. Merci. Surtout, n'oublie pas ton argent. Merci beaucoup. Oui. À plus tard. Bien sûr. Ça fait du bien d'être de retour à la maison. Oh.
Prenons la mallette! Rapidement! Incroyable. Je veux dire, pourquoi as-tu juste disparu de la nature comme ça? Oh. J'ai commencé à te chercher comme si je cherchais un trésor. Je n'ai pas arrêté d'appeler ton numéro, je n'ai pas pu te joindre. Je t'ai cherché chez toi, mais tes voisins ont dit qu'ils ne t'ont pas vu depuis longtemps. Oh. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé, ma puce? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, mon cœur. Tu m'as tellement manqué, oui, ma puce. C'est ça. Je t'ai manqué. Bref, tu m'as manqué aussi. Alors dis-moi, où étais-tu? Ah, oh, ma chère, c'est une longue histoire. S'il te plaît, raconte-la. Quelque chose s'est passé, alors j'ai dû m'absenter. Qui quitte la ville sans dire à qui que ce soit? Qui fait ça? Je viens de dire que je suis désolée, n'est-ce pas? C'est bon. Je t'ai pardonné. Excuse acceptée. Ok. Mais dis-moi, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai acheté une maison. Oui, je veux dire, ma propre maison. Tais-toi! J'ai acheté une maison. Quelle maison? Quel travail fais-tu pour t'acheter une maison? Je veux dire que tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Non, attends. Honnêtement, dis-moi que c'est une blague. Une blague? Copine, je suis sérieuse. Oh, wow! Félicitations! Merci. Ah, tu es sérieuse. Félicitations, ma puce. Merci, félicitations. Ma puce. La maison a coûté 75 millions. Rien de coûteux. Qui a donné au singe une banane? 75 millions, sais-tu ce que c'est que 75 millions? Si on réunit 75 millions et tu montes dessus, tu vas tomber et mourir. Tu me parles de 75... Allez, ferme ta gueule, qu'en as-tu 75 millions? Comment as-tu eu 75 millions de naira? Ma puce, je suis très sérieuse. Ah, ah, ah. Je peux voir que tu es sérieuse. Écoute, je ne suis pas en train de blaguer. Hey, félicitations, c'est énorme. Oui. Wow. Ils ont pété le champagne. Mais bien sûr, nous sommes censés péter du champagne. Nous ne pouvons pas juste parler comme ça. S'il te plaît, apporte-le, apporte-le. Mais honnêtement, dis-moi, comment est-ce que tu l'as fait? En fait, je m'envole pour le Canada dans 2 jours. Ah, 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 je t'ai ah, dit la vérité. Tu es menteuse. Non, 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 non. Tu es sérieuse? Oui, je suis tellement contente pour toi. Félicitations. Merci. Je suis tellement contente. Merci, ma puce. Maintenant, tu vas taper là ou tu vas rester là? Ma puce, vas-y, tape là. Voilà. Hé, hey, vas-y, dis-moi. Félicitations. Vraiment. Attends, n'est-ce pas la voix de Samantha que j'entends? Est-ce qu'elle va bien? Eh bien, oui, c'est la voix de Samantha que tu entends. Je pense qu'elle joue avec Philippe. Je ne sais pas ce qu'ils font. Attends, est-ce que je viens d'entendre Philippe? Attends, attends. Hein, ma puce? Tu l'as finalement accepté? Eh bien, en quelque sorte, oui. Le truc est que Philippe aime vraiment beaucoup Samantha. Mmh. Et Samantha l'aime également. Mmh. Et j'ai décidé de donner une autre chance à l'amour. Tu sais comment ça se passe, oh. Ma puce. La chose la plus intéressante, c'est qu'il a été... Il a été une belle âme. Oh. Oui, il se comporte. Il a été une figure paternelle pour Samantha, en fait. Tout est maintenant... Je suis très contente pour toi. Non, 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 ne prête pas attention. Merci, à moi. Je suis contente mais en fait, pour toi. Je suis contente que tu aies retrouvé l'amour à nouveau. Oh oui, j'ai retrouvé l'amour. Et j'en suis également contente. Mais je veux que tu le rencontres. Ok. Un instant, s'il te plaît. Ok. Bébé. Bébé. Hey, vas-y, descends. Ne commence pas. Quoi? Oh. Oh, mon Dieu. Lucie? 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 Lucie, allez, calme-toi. Je vais m'occuper comme il faut de cette folleuse. Ok, attends un instant. Elle, c'est mon amie. Elle s'appelle Lucie. Elle n'est pas une voleuse. Ok, attends une minute. Est-ce que tu viens en même temps d'appeler Lucie? Ah,
Bébé, Philippe! Je vais te donner une leçon. Philippe, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Je suis confuse ici. Voilà la fille qui a pris tout mon argent quand on était dans un hôtel. Je ne savais pas qu'elle était une voleuse. C'est incroyable. Quoi? Attends, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu veux savoir ce qui est drôle? Ouais. Je vais te dire ce qui est drôle. C'est drôle que... qu'on me trompe encore après tant d'années. Je veux dire, c'est drôle que... que quelqu'un profite encore de moi à ce stade de ma vie. Honnêtement, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux insinuer exactement? Est-ce que je peux te poser une question? Oui, vas-y. Pourquoi les hommes sont-ils ainsi? Pourquoi prennent-ils du plaisir à détruire la vie des femmes, à les blesser? Pourquoi? Je n'arrive même pas à croire que j'ai encore été trompée après tant d'années dans une relation toxique. Vous les hommes êtes sans cœur. Bébé, je t'en prie, s'il te plaît, permets-moi de t'expliquer. Je t'en prie. Tu veux m'expliquer? Je veux que tu gardes tes explications pour toi. Maintenant, écoute-moi. Je ne veux plus entendre un seul mot venant de toi. Parce qu'en ce qui me concerne, tu n'as jamais existé. Allez, Jane. Jane. Je t'en prie, calme-toi. Ok? Écoute-moi. Je t'en prie. Tu veux que nous parlions, n'est-ce pas? Tu veux que nous ayons une conversation? C'est bon. Disons que Lucie t'a dit qu'elle s'appelait Stella. Comment lui as-tu dit que tu t'appelais? Subitement, quelqu'un est devenu muet. Tu ne peux plus parler, n'est-ce pas? Non, je lui ai dit que je m'appelais Charles. Ouais, Charles. Charles! De Philippe à Charles. Peux-tu me dire qui diable tu es? Tu as automatiquement changé de nom pour coucher avec elle. Non, non, non. Tu lui as même acheté une voiture, dépensé tout ton argent sur elle, et ensuite tu es venu chez moi. En tant que qui? Tu me dégoûtes, Philippe. Je t'en prie. Laisse-moi au moins t'expliquer ce qui s'est passé, d'accord? Ok. Je suis tout de suite. J'ai couché avec elle, je ne le nie pas. Je lui ai acheté une voiture, oui. Mais essaie d'y penser. Est-ce que j'irai acheter à une femme une voiture juste pour coucher avec elle une nuit? Mais non. La vérité est que je sortais d'une relation, d'accord? J'étais émotionnellement brisé. Et je voulais vraiment tout recommencer. Alors j'ai rencontré Lucie. Mais je ne savais pas qu'elle était une voleuse sans aucune conscience. Maintenant, je suis un peu curieux. Tu as dit qu'elle était ton amie. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Attends une minute, je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Tu as toujours le toupet, le cran de me poser des questions. Tu sais quoi? Peu importe ce que tu as d'autre à me dire, garde-le pour toi-même. Je veux maintenant que tu dégages de ma maison tout de suite. J'en ai terminé avec tes mensonges, alors va-t'en. Bâtard. Et je ne veux plus rien voir qui ressemble à une chemise jaune chez moi encore. Sors d'ici! Bâtard. Je ne veux plus te revoir ici. Lucie. Lucie. J'avais l'option, les gars, de vous laisser tous en prison et sortir tout seul.
Mais je ne l'ai pas fait. Vous savez pourquoi? La loyauté. Parce que vous avez été tous loyaux envers moi. Et je ne manque jamais de récompenser la loyauté. Maintenant que nous sommes sortis, nous avons un même agenda. C'est celui de traquer Damien. Trouvez le salaud qui nous a piégés. Je m'en fous de ce que vous ferez. Faites tout ce que vous pouvez, fouillez-le dans toute cette ville. Et ramenez-le-moi ici vivant. Est-ce que c'est clair? Je donnerai 50 millions de naira à la personne qui ramènera Damien ici vivant. C'est clair? On bouge. S'il te plaît, je t'en supplie, au nom de Dieu, je suis vraiment désolée. Tu peux reprendre la voiture, reprends la voiture, reprends la maison. Je ne veux plus de ces choses, je t'en supplie. S'il te plaît. Je peux voir que tu as bien dépensé cet argent. Des chemises de marque de Chanel, une montre de Raymond Ville. Et toutes ces choses, grâce à mon argent. S'il te plaît, tu peux les reprendre, je n'en veux plus. S'il te plaît, tu peux tout reprendre, je n'en veux plus, je t'en supplie. C'est bon, ça suffit. Je t'ai en fait pardonné. Mais il y a des choses que tu ne sais pas sur moi. Mon nom, ce n'est pas Charles. Je m'appelle encore moins Philippe. Mon véritable nom, c'est... Damien. S'il te plaît. 6, 7, 8. Hey, ralentis, mec. N'est-ce pas, Damir? Hey, suis-le. Hey, suis-le immédiatement. Thank you.
Le voilà. Écoutez, nous allons le piéger et nous allons le traquer. Le boss doit être au courant de ça immédiatement. Ne crois-tu pas que nous devons appeler le boss et lui dire que nous avons trouvé Damien? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On nous a donné des instructions strictes de le ramener quand on le verra. Et alors retourner chez le boss pour lui raconter de telles choses? Mec, écoute, mais c'est n'importe quoi. C'est de la merde. Et souviens-toi aussi qu'on nous a promis 50 millions de Naira pour quiconque le ramènera vivant ou le tuera, mec. Alors je pense qu'on devrait juste rester ici et l'attendre. Alors nous devons le frapper une fois qu'il passera ici. C'est exactement ce que nous allons faire. Alors attendons juste ici et surveillons-le de près. Allô, patron. Nous avons vu Damien. Oui, monsieur. Nous l'avons poursuivi, s'est échappé. D'accord, monsieur. Les mecs, allez, allons-y. Thank you.
J'ai échappé belle. J'ai échappé belle. Ceci pourrait juste dire une seule chose. Ce fils de pute de Draco a été libéré. Ok, ok, ok. Damien, tu dois te renforcer. Tu dois te renforcer et changer de stratégie. Oui. Bon sang. Désolé, monsieur, je ne retrouve aucune trace de votre enfant. De quoi est-ce que vous parlez? Selon ce que vous avez dit, monsieur, vous aviez emmené l'enfant il y a 8 ans. Moi, je suis arrivée ici il y a 7 ans. Parce que l'institution a perdu la sœur Kay. La mort l'a emportée. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Hein? En quoi est-ce que ça me concerne? Les archives ne vous appartiennent pas. Elles n'appartiennent non plus à sœur Kate ou peu importe qui elle est. Les archives appartiennent à l'orphelinat, donc elle doit être là. Fouillez bien. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Que je cherche un peu plus. Ou alors, peut-être on l'a donnée pour adoption. Je vous demande pardon. Elle a été adoptée. Mon enfant. Allez, descendez! Descendez! Tonton Santo! Tonton Santo! Samantha! Samantha! Ils ont kidnappé ma sœur! Samantha! Qu'est-ce qui arrive à Samantha? Où est-elle? Grande sœur! Quoi? Est-ce que tu peux parler? Qu'est-ce qu'il y a? Samantha! Où est Samantha? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été kidnappée! Quoi? Je veux rentrer à la maison! Je veux rentrer à la maison! Que quelqu'un m'aide! Je veux rentrer! Que quelqu'un m'aide! Que quelqu'un m'aide! Je veux rentrer à la maison!
Amin, tu vas arrêter d'hurler? Je ne veux pas me taire, amenez-moi chez moi. Ferme ta gueule! Je veux que quelqu'un me ramène chez moi, détachez-moi! Je veux rentrer à la maison! Détachez-moi! Aidez-moi! Détachez-moi! Je veux rentrer chez moi! Je veux voir ma mère! Vu que tu ne veux pas la fermer, je vais la fermer moi-même! Ma fille, qu'est-ce que Samantha a pu faire à qui que ce soit? Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait kidnapper ma fille? Une petite fille de cet âge, pourquoi quelqu'un voudrait l'amener? Compris. Essaie de faire l'effort de ne pas t'inquiéter, d'accord? Selon moi, s'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que tu es sérieux? Que je me calme? Je viens de te dire que ma fille a été kidnappée et tu me demandes de me calmer? Es-tu sérieux? Écoute, je vais être honnête avec toi. Si je dis que je sais ce que tu ressens, je serai un menteur. Parce que ce n'est pas le cas. Et de toute façon, je ne ferai pas semblant. Mais maintenant, tu dois faire l'effort de te ressaisir. Réfléchissons ensemble sur quoi faire. Mon oncle, il n'y a rien à réfléchir ici. La meilleure chose à faire, c'est d'impliquer la police. Eh non, pas de police. Non. Si nous faisons cela, nous signons immédiatement l'arrêt de mort de Samantha, ok? En ce moment, nous ne savons même pas si c'est Samantha qu'ils veulent. Alors essayons de nous calmer pour le moment, jusqu'à ce qu'ils appellent. Et s'ils n'appellent pas? Ils le font toujours. Tu sais pourquoi? Parce que, peu importe celui qui a kidnappé Samantha, il doit certainement envisager de demander une rançon. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et si jamais ils n'appellent pas, ça veut simplement dire que le kidnapping de Samantha est pire que ce qu'on croit. Qu'ils demandent de la rançon, je suis prête à payer n'importe quelle somme. Je veux juste voir ma fille. Je veux juste voir ma fille. Je vais leur donner l'argent. Mais qu'ils me ramènent ma fille. Qu'ils me ramènent ma fille. Je ne... Oh, mon Dieu. Grande sœur, s'il te plaît, calme-toi. Tu te fais plus de mal. Samantha ira bien, s'il somme te plaît. Somme tout, je dois voir mon enfant. Si quelque chose arrive à cette fille, je le jure, je vais me suicider. Allez. Calme-toi. Ce que tu dis n'est pas une option. Personne ne va mourir aujourd'hui, d'accord? Espérons juste qu'ils vont appeler. D'accord? Je t'en prie. Oh, mon Dieu. Hey, Somto, apporte-lui quelque chose à boire. Pourquoi est-ce que ça ne sonne pas? Personne ne m'appelle, personne ne m'appelle. Est-ce qu'ils t'ont appelé? Calme-toi. Je vais retirer la bande sur ta bouche.
afin que toi et moi nous puissions parler, comme père et fille. Et si je la retire, ne hurle pas. Est-ce que c'est clair? Bien. Relève-la. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Samantha. Pourquoi est-ce que vous m'avez kidnappée? C'est moi qui vais poser des questions. Et tu me donneras des réponses. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, monsieur. Bien. Reprenons les présentations. Je m'appelle Traco. Et toute cette ville m'appartient. Quel âge as-tu? J'ai 8 ans. J'y ai pensé également. Où est ton père? Je te redemande, où est ton père? Je n'ai pas de père, monsieur. Je vois que tu ne veux pas parler et peut-être que tu es aussi têtu que ton père. D'accord, je m'en vais. Mais plus tard, je vais revenir. Je te ferai parler. Croyez-moi, monsieur, je vous dis la vérité. Hé, jeune fille, reste tranquille et la ferme. Je me demande encore pourquoi est-ce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas de père. Je ne sais pas si elle est en train de mentir. Ou alors si elle dit la vérité. Mais peu importe le cas. Assure-toi qu'elle va bien. Si elle a faim, donne-lui la nourriture, de l'eau, tout ce dont elle aura besoin. Assure-toi qu'elle se sente à l'aise. Est-ce que c'est clair? D'accord, patron. Grande sœur, je sais ce que tu ressens. Je veux dire, tu es restée ici toute seule en train de réfléchir.
Tu n'as rien mangé depuis le matin. Tu as laissé ta nourriture dans la salle à manger. Elle est même déjà froide. Grande sœur, as-tu pensé à ce qui arrivera à Samantha si elle rentre et qu'elle trouve que tu t'es fait du mal? S'il te plaît, pour l'amour que tu as pour Samantha, ressaisis-toi. Je t'en supplie au nom de Dieu. Je t'assure que Samantha ira bien. Ok? Santo. Oui, grande sœur. Je veux juste qu'on me laisse seule. Ça fait longtemps que tu es assise ici, toute seule. S'il te plaît, arrête ça, ok? Tu finiras par te faire du mal. Tu n'arrêtes pas de réfléchir. Hein? Ça suffit, s'il te plaît. Grande sœur. Grande sœur. Je dois rapidement mettre fin à ça. Une information sur Damien. Il n'y a rien, boss. Il nous a échappé. Cela ne devrait pas être un problème, dépêche-toi. Trouve-moi Damien. Dégage, trouve-moi Damien. Il y a une information? Ah oui, patron. Nous le surveillons de près, mais nous ne l'avons pas vu depuis que nous avons kidnappé sa fille. Je commence à perdre patience. Je commence à perdre patience. Trouvez-moi Damien avant qu'elle ne finisse de dépenser tout l'argent qu'elle m'a volé. Trouvez-le. Fouillez cette ville de fond en comble. Si vous ne le trouvez pas, amenez sa femme. Allez, sortez. Allez. Ok, patron. Grande sœur. Je dois aller au bureau prendre quelque chose. Ok. As-tu vu les clés de ma voiture? Ouais, je l'ai trouvée. Oh, j'ai oublié que je les ai gardées là. Merci, je te verrai plus tard, d'accord? Sois prudente. Sois également prudent. D'accord. Ok.
Silas! Ah, ah. Mais pourquoi est-ce que le portail est ouvert? Silas! Silas! Jésus, comment peut-on être pauvre et stupide en même temps? Comment peut-on se coucher par terre en cet après-midi ensoleillé? Silas! Silas! Qu'est-ce qui... Jésus! Silas! Silas! Silas, Silas, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, et c'est... Santo, 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 Santo Choco, Santo, 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 oh Dieu, oh mon Dieu, non, oh mon Dieu, non. Santa, 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 Santa Choco, Santa, Santa, oh Jésus, oh Jésus. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tonton! Samantha! C'est toi? Oui, tonton, c'est moi. Samantha! Samantha! Tu vas bien? Tu me manquais. La ferme. Pourquoi est-ce que vous nous faites ça, s'il vous plaît? Laissez-nous partir, je vous en supplie. Au nom J'ai dit, la ferme! S'il vous plaît, je vous en supplie. Thank you.
Je vais poser une question et tu vas répondre. Je ne te dirai pas ce qui va t'arriver si tu me mens. Est-ce que tu me comprends? Oui, monsieur. Première question. Tu la connais? Oui, monsieur. Qui est-elle pour toi? Elle est ma nièce. Ta nièce? Son père est la raison pour laquelle vous êtes tous les deux ici. Il m'a trahi. Il a volé mon argent. Et l'a utilisé pour épouser sa mère. Monsieur, s'il vous plaît, je peux dire quelque chose? Allez-y. Monsieur, je pense qu'il y a un malentendu quelque part. Vous traquez les mauvaises personnes, monsieur. Vraiment? Tu oses me regarder en face et dire que je suis en train de mentir, hein? Donnez-moi une photo de Damien. N'est-ce pas le mari de ta sœur? Réponds-moi. Monsieur, c'est l'oncle Philippe. Il est l'ami de ma sœur. Il n'est pas le mari de ma sœur. Si tu me mens, je te tue. Il n'est pas son mari. Ne me mens pas. Je vais te donner un devoir. Tu vas m'aider à traquer Damien. Oh oui. Il s'appelle Damien et non Philippe. C'est une personne très dangereuse. Crois-moi, il trompe ta sœur. Et tu vas le piéger pour moi. Mais comment, monsieur? Ose encore me questionner, je te découperai en petits morceaux. Tu vas traquer Damien grâce à l'aide de mes hommes. Et tu vas l'amener à moi. Si tu échoues, je vais tuer Samantha. Ensuite, ce sera à toi. Suis-je assez clair? Oui, monsieur. Sors d'ici. Samantha, je te promets que je reviendrai pour toi, ok? Maintenant, vas-y, et dépêche-toi. Regarde-moi. Est-ce que tu as peur? Tu le devrais. Allez, descends. Dépêche-toi. Viens là. Descends. Hey, hey. Grande sœur, Damien n'est pas celui que nous pensons être. De quoi parles-tu? Qui est Damien? Le Philippe que tu connais, son vrai nom c'est Damien. Quoi? Oui. Attends une minute. Tu veux dire que Philippe... que Damien me... Peu importe, me mentait? Grande sœur, en fait, pour tout te dire, Damien appartient à un groupe de dealers dans cette ville. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ils sont responsables de mon kidnapping et celui de Samantha. Sam, où est ma fille? Où est-elle? Où est-elle? Est-ce que Damien est là? Grand sœur, calme-toi. Samantha ira bien. Mais cela dépend de nous. Le fait que Samantha revienne en vie dépend de nous. Qu'est-ce que tu dis? Que veux-tu dire par « s'il doit rentrer, ça dépend de nous »? Je ne comprends pas. «
Je suis tellement confuse. C'est lui. Santo, c'est lui. Tu dois te cacher. Me cacher où? Où? Tu dois te... Tu sais quoi? Va dans ma chambre. Tu dois bien te cacher. Il ne doit pas te voir. Va dans la chambre de Samantha. D'accord, d'accord. J'y vais, j'y vais. Cache-toi dans sa salle de bain. Oui, allô? Ouais, allô, monsieur? Oui, c'est moi, Santo. Monsieur, vous devez venir maintenant, il est à la maison. Ok. Je pense qu'il veut quitter la ville, monsieur. D'accord. Ta sœur et toi, vous devez chercher un moyen de le retenir. Venez maintenant, monsieur. Nous allons essayer de le retenir. Au sommet en chemin. Ok. Ok. D'accord, monsieur. Qui était-ce? C'était Santo. Il dit que Damien est à la maison. Damien? Ouais. Alors, écoutez, nous devons y aller. Allez, descends, Damien. Un faux geste. Écoute, mec, je vais t'éclater la cervelle à mille morceaux. Mon cher Jack. Jackie. On dirait bien que tu oublies très vite. Tu étais sous une machine à oxygène, dans un petit hôtel de la place. Et maintenant, tu as changé de camp. Qui a payé tes factures, Jackie? Qui a soigné tes blessures? Qui t'a nourri? Et qui a fait de toi celui que tu es? Et tu es en train de pointer une arme chargée sur moi, Damien. Damien, je te connais très bien. T'es un traître et tu peux le refaire. Ici. Eh bien, je l'ai déjà entendu auparavant, et je vais te dire quelque chose. Tu penses très certainement que t'es en train de défendre la cause de quelqu'un. Tôt ou tard, Draco vous descendra tous autant que vous êtes. Mensonge. Eh bien, que tu choisisses de croire que j'ai trahi le patron ou pas, ce que j'ai fait était pour le bien de chacun d'entre vous. Parce que la vérité est que, en un moment, vous allez tous descendre. Un à un. Si tu bouges, écoute, je vais t'éclater la cervelle, mec. Ne réveille pas mes démons, Damien. Les démons. Allô, Scorpion. Ramène la voiture. Ouais, je l'ai eu. Il y a quelque chose que tu ignores. J'enchaîne les démons. Ne bouge pas. Pas un pas. Damien. Écoute, j'ai dit pas un pas, sinon je vais éclater ta putain de cervelle de merde. Thank you.
Damien, je t'ai ramassé dans les égouts. Je t'ai entraîné. Je t'ai traité comme mon propre frère. Je t'ai enseigné tout ce que tu sais. Je t'ai nourri. Je t'ai donné un toit sur ta tête. Je t'ai entraîné. Et je t'ai introduit dans mes affaires. Et je t'ai rendu riche. Et comment m'as-tu remercié? Tu m'as trahi. Et je te demande encore, Damien, pourquoi est-ce que tu m'as trahi? Pourquoi est-ce que tu me tues pas? Qu'est-ce que tu attends? Je ne vais pas te demander mon argent parce que je sais que tu as tout dépensé. Tout ce que je veux juste savoir, c'est pourquoi est-ce que tu m'as trahi, Damien? Pourquoi? Va au diable. Bien. On verra bien. Je m'appelle Traco, et cette ville m'appartient. Ton mari m'a trahi, il a volé mon argent, et a dépensé cet argent avec toi. Je veux qu'on me rembourse mon argent. Je suis désolée, mais l'homme en question n'est pas mon mari. Je n'ai jamais été mariée à lui. L'argent dont vous parlez, je n'en ai aucune idée. Je suis juste ici pour mon enfant, je vous en prie. C'est la seule raison pour laquelle je suis là. J'ai obtenu tout ce que je voulais avant même d'avoir su qui était Damien. Je n'ai pas votre argent, Je veux juste mon enfant, s'il vous plaît. Si vous osez me mentir, je tuerai votre fille. Donnez-moi ce qui reste de mon argent. Monsieur, je vous en supplie, je veux juste voir ma fille. Il ne m'a rien raconté, il ne m'a rien dit. Monsieur, il y a une dame au portail, elle dit qu'elle vient de l'orphelinat, elle dit qu'elle veut vous voir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous avez trouvé mon enfant? Oui, monsieur. Où est-elle? Je suis, heureusement, tombée sur un papier lié à l'adoption de votre enfant par une certaine Genesee il y a 8 ans. Alors, où est cette femme? Où est-elle? S'il vous plaît. Attendez un instant.
L'enfant dont vous parlez a-t-elle été adoptée le 18 juillet 2013? Comment avez-vous fait pour avoir une information aussi confidentielle, madame? Je suis Jane Eze. Quelle coïncidence. Et j'ai adopté un enfant le 18 juillet 2013. La même date qu'elle a mentionnée. C'est une blague. Hein? Vous l'avez planifié, c'est ça? Ce n'est pas une blague, monsieur. J'ai perdu mon utérus quand j'avais 18 ans. J'essayais de faire un avortement pour une grossesse non désirée, mais ça s'est mal passé parce que ça a été pratiqué par un apprenti. J'ai décidé d'adopter un enfant. Un enfant que je pourrais appeler le mien au lieu de me marier, qui ne guérirait rien. Je l'ai caché à ma fille pendant si longtemps. Et je suis contente que ceci arrive, comme ça au moins, je pourrai arrêter de lui mentir. J'imagine que nous parlons du même enfant ici. Monsieur, il y a un garçon au portail. Le petit frère de Maître Ben, il veut vous voir. Le petit frère de Maître Ben. Je pense que je le connais. Un mec court avec un teint foncé. Fais-le entrer. Allez, avancez. Avancez. Officier, c'est lui. Arrêtez-le. Non, mais tu plaisantes. M'arrêter pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? L'avocat, celui qui t'a fait sortir de prison, tes hommes et toi, Maître Ben, était mon frère. Malgré ses efforts de vous faire sortir de prison, tes hommes et toi, tu l'as quand même tué. Mais malheureusement pour toi, il a survécu. Il est à l'hôpital. Non, mais de quoi est-ce que tu parles? Ben est un bon ami à moi. Je n'ai jamais fait une telle chose. Je l'ai très bien payé. Je ne l'ai pas tué, ni cherché à lui faire du mal. Est-ce que l'un d'entre vous a attaqué Maître Ben? Est-ce que l'un d'entre vous a attaqué Maître Ben? Je ne t'ai pas avec eux, patron. Alors qu'il a fait? Qui? Je suis désolé, patron. Pourquoi? Pourquoi? Comme vous pouvez le voir, officier, ce n'est pas moi. Vous l'avez. Officier, arrêtez-les. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre contre Maître Ben. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera utilisé contre vous devant un tribunal. Officier, embarquez-les. Allez, avancez. Va chercher Samantha. D'accord, patron. Oh, ma puce. Comment vas-tu? Tu vas bien, n'est-ce pas? Garçon ne t'a touché. Tu vas bien?
cœur. Tu as toujours voulu savoir qui était ton père. Voilà ton père. Va vers lui. J'imagine que je ne partirai pas d'ici avec elle. Ça a été 8 merveilleuses années avec elle. Elle est tellement adorable. Et je suis sûre que vous aurez la même expérience. Merci. Merci d'avoir bien pris soin de ma fille. J'apprécie vraiment. Si vous voulez la voir à n'importe quel moment, ma porte est toujours ouverte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, tout ce dont vous avez besoin, faites-le-moi savoir. Je vous l'accorderai. Merci. Puis-je l'embrasser ?